marchandise Dominique qui était venu vendre jeudi à Coros, marchandise ça c'est marchandise rangée et grand pile monde Wandéa Sabachan qui était bien mal parce que était mangé dans marchandise ça, marchandise ça c'est marchandise rangée formation mieux nous et gars audio à moi, dans les gars audio à moi. Ben là exagéré en pile. Oui, moi, madame ma classe, c'était à l'égout aujourd'hui, à l'acheter ça là, mais venir faire un spaghetti avec ça là, ma banane. Quand il y a ni voisine, ni ni mon kaya, tout ça mangé, tout tombé. Comment c'est tombé avec maladie, frère? Mais au coup, avec le caris la patte, il y a un chari, il y a aller. Bon, classe, c'est lui-même, il fait qu'il va arriver. C'est pas grave pour mon ouana, mais c'est bloqué, frontière Saint-Domingue, là, mon yobat kadi, ni pour venir en marchandise. Et ça fait que tiens au gain les récits au passé et par rapport me connait gain mon pour des paix qui compte sorti pour des paix pour venir acheter wana met et ça fait mon yo qui joue une audio qui gain tant connait ba là autour du comme ça pour partager audio de toute façon me connait gain mon pour des paix là la machine à soi à rentrer demain si je veux pour aller vendre marchandise. Et tant que mon pour des paix tout qui va acheter marchandise là au de ces marchandises rangées et tout ne qui dit ça la mi all dog by ça ou même bon dans les spaghetti mon yo voyo sorti Saint-Domingue tout rangé et ça fait fort pour mon pour des paix ta vraiment essayer pour dans un moment ça là pour va acheter marchandise ça parce que marchandise rangées oui oui parce que là ce jeudi on passe pendant cette heure gain mon pour des paix penser qu'il t'a acheté la parole même mon pour des paix qu'on y a là faut que tu as vraiment fait pour dans non jour ça là. Parce que mon bordé paie toujours ce petit bordé paie pour acheter dans Bayol. Parce que c'est Dominicain qui voulait marchandise au tout ranger. Et y a deux monde qui mangent aujourd'hui là, tout le monde a recommencé mourir, gagner un pile dans l'hôpital, mais gagner un pile qui gagne à mourir. Et ça fait au moins des bruits au partage au dia. Donc l'autre monde qui peut quoi acheter dans marchandise pour y aura fait bruit dedans. Et bonsoir, nous saluons tous les amis, son président, nous sommes capables d'informer vous. Eh bien, nous, et pour aller directement, et nous connaissons sur un mouvement de tristesse, eh bien, au niveau de Pétionville, eh bien, nous avons bloqué dans la zone juvénile à Pétionville, eh bien, côté que bien propriétaire, Émile Marquette, ainsi que sa fille, eh bien, ils sont assassinés à soi-même, après qu'eux-mêmes, ils étaient arrivés pour le faire et Marquette là, eh bien, après avoir commis le forfait, eh bien, malfrats, ils ont pris la fuite avec un véhicule à bord, côté que, et victime eux-mêmes, pour qu'ils étaient, eh bien, c'est là, Émile et Marquette. Eh bien, monde qui connaît, eh bien, et information, eux, côté que t'es grand pile, ou même, t'es grand monde qui t'es dit que, yo pas mouri, eh bien, un côté et déclaration, et yon moun de, yon témoin, et qui lui-même qui t'a dit au niveau de la presse, côté que lui-même dit que lui était là, c'est lui qui t'a dit, eh bien, il dit que, monsieur dame, yo, yo même, yo mouri, eh bien, on allait, par bon côté, déclaration que lui-même fait, eh bien, la bouquet dans le pays d'Ajun, je dis assez, il a fait des gangs, il a fait des, et côté que, où il doit lever matin, là, par contre, qui l'est, que mon allié me dit, après, côté que c'est bandit qui a fait la loi au niveau du pays. On a le côté un citoyen qui lui-même, qui dit que, c'est lui-même qui t'a prévu, et mon yo, et bien, il confirme que, il mourut. On a le temps de dire. Oui, avant ça, il n'a pas entendu les premiers voices, là, et d'abord, et ces petits garçons-là, et qui est en mode panique, hein, mesdames, messieurs. On entend des audio, hein, puis par la suite, on entend des deuxièmes, non, mais là, nous parlons de, justement, Émile Marquette, eh bien, vite, vite, mesdames, messieurs, maintenant qu'il condition, monsieur Kounia là, vous êtes capable de comprendre, nous ne pouvons pas quitter l'image là, mais c'est quand même très grave. En nous autant de audio. Moi-même. Je tire, je manque de kidnapper. Je tire, papa, m'tou. Moi-même. Yo tire mieux que kidnapper. Yo tire papa m'tou. Yo moi-même. Voilà et dans première audio et Pradel bon attend des jeunes garçons puis petit et petite là monsieur dit yo manqué kidnapper lui-même. Et puis par la suite là et dans deuxième audio parce que t'as eu quelques rumeurs qui t'a dit est-ce que Émile t'a supposément vraiment mouru mais mesdames messieurs nous avons une image devant nous là et nous que il pas bougé pas gain aucune réaction
et il y a nous on a essayé de réanimer nous capable comprendre pas quitter image en trop étant donné que image pas fini tout clean mais et bon nous faut attendre deuxième audio hein que près de la parole justement on va attendre confirmation exactement l'an mort Émile Maquette et n'a pas ça arrivé ça pas fait trop longtemps quand même mesdames messieurs pas gagne monde qui t'a attendu avec ça je nous dis là encore un autre membre dans secteur privé là qui tombé et après Eric Jean-Baptiste bon c'est sûr c'était pour l'instant et je pense que nous mal placé pour nous t'a dit et qui est-ce qui dit ça bon nous va laisser chercher plus c'est pour vous d'ici et quelques minutes mais avant ça mesdames messieurs bon nous invite au temps également audio ça pour comprendre davantage eh bien insécurité hein, qui veut tout côté mais même que avec l'hôpital là oui. OK et mon que avec l'hôpital là et mon que junior l'hôpital là et mon que avec l'hôpital là on dit au mourir mais pas mourir et mon que avec l'hôpital là et là me saute mené mon famille en vivi Michel avec Bako police Pétionville là OK on dit au mourir mais pas mourir et les n'a plevé comment nous et nous plus c'est que tu as ta junior pas là avec nous là elle fait quoi dans camarade des gants oui les livres dans ma camarade des gants dans ma escalier elle tombe deux fois il tombe une fois dans l'ascenseur elle ça nous pour quoi à l'hôpital là non les junior pas là et devant et monter là et pas yo cap dit mon frère moi même Yo tire mieux que kidnapper. Yo tire papa m'tou. Voilà, eh bien, mes situations de panique qui est là pour aujourd'hui et dimanche, on va pas dire samedi, comment ça a passé là, évidemment. Et pas d'elle, pour Kounia là, est-ce que y a un groupe qui a déjà identifié de ça? Non, mais c'est n'a pas été groupe. C'est bandit parce que c'est exam dans Pétionville précisément, dans un juvénile qui a assassiné à soir samedi 26 novembre 2022 la propriété Émile Maquette ensemble à Kyopiti Pétionville. Eh bien, d'après information, nous pensons que c'est bandit, parce que Mbara dit que c'est X et Y, mais l'essentiel c'est nec à l'exam qui au même qui a fait la pluie de beau temps et c'est au même qui arrivé tout y est libre. Nous, et pour aller directement, c'est un crime, eh bien, nous allons entrer au niveau de Jacques Mel, eh bien, abdouqué, au niveau de Jacques Mel. Bien, et la police, qui lui-même, qui portait précision, eh bien, dans le cas Joël Kaoulia. Eh bien, direction générale, et puis coordination de presse et des relations publiques, eh bien, yo, interpellé Joël Kaoulia, eh bien, dans la cour Jacques Mel, eh bien, yo, jeune zam, et puis matériel saisi, eh bien, le nommé Joël Kaoulia, qui appréhendé à Jacques Mel, eh bien, vendredi 25 novembre 2020, de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS ensemble avec DCPJ pour détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Et bien suite avec information qui fait croire qu'il y a un cargaison de drogue qui était débarqué dans Marigo pour le compte de Joël Kaoulia, il était une équipe détachement sud de BLTS et DCPJ et bien était dépêché dans la rue Jacques Mel et bien était capable de perquisitionner et bien plusieurs espaces dans la juridiction de Jacques Mel dont le club Ma Folie et le domicile de Joël Kaoulia. Et bien après des heures de fouilles en présence d'un juge de paix en équipe Udmo et dans la juridiction bien objet ça qui au même et joint et saisi et bien la caille monsieur Kaoulia. Il y a deux fusils de guerre, il y a un fusil Smith et Wilson de modèle MEP et 15 de série SW7506 de calibre 5.56 mm et deux chargeurs et garnis de 47.4 Kaoulia tout d'après la police et bien et yon ouzi modèle SMG série 09 30 35 et puis yon joint deux chargeurs usi et gagné de 52 cartouches de et calibre 9 mm. Yon joint tout yon et bâton et télescopique. Et puis, dans fouille Yab Benyon, yon joint yon pistolet de calibre 9 mm de série FXL 824 et bien de marque Glock 17. Et puis, j'ai deux chargeurs remplis. Et puis, ils ont chargé de 14 et cartouches qui ont arrivé joint et puis l'autre et 16 cartouches et 2 et calibre 9 mm. Et bien, Caricao, lui, a besoin de barrer sur toujours. Il y a 3 bidons de gaz lacrymogène, dont 2 de marque CS et l'autre de marque 112 CN.
Kaikao dit toujours, mes amis, pour les gens qui ont suivi, on a fait bon TV, ils jouent deux boîtes de cartouches 12, dont une de 17 cartouches, et puis l'autre a ligué 25 cartouches. Kaikao dit est gardé à vue à la DCP suite d'une procédure judiciaire. Eh bien, même monsieur Kaoli, ça et Jimmy, si n'a pas on rappelle et Jimmy, eh bien pour nous qu'a essayé et font pas l'eau de et Kaoli, eh bien c'est pas pour la première fois que nous monsieur a cité dans les affaires d'eau. Eh bien nous rappelons et sous et président René Prival, eh bien si des monde qui a fait mémoire, eh bien nous connaît que était gagné et mettre dans ton léger qui était commissaire gouvernement, eh bien au niveau de juridiction de Jacques Mel, eh bien côté que lui-même il était fait tentative, eh bien il était arrêté monsieur ça. Eh bien, les que yo même yote arrivé et arrêté li, eh bien, par exemple, y'a moun qui kon qui suivi et qui te fait, eh bien, dans le même cadre de dossier ça, nous rappelons que c'est ancien et président et René Prival, eh bien, en 1995, côté que, c'est pas pour la première fois, monsieur Jacques Kaoli, yo même yo accepté non, ni tout. Je même pas qu'on est, et puisque gagné, yon camarade là qui fait un reportage, eh bien, depuis 1995, est-ce qu'on a fait mon yo font titandé, on t'y gardé, bah, qu'on t'y a dérangé, pour yo kawe, comment que monsieur Jacques Kaoli, eh bien, c'est pas la première fois que monsieur est non cité dans Zafé Lourg, malgré que grand pile, mon qui dit que pas t'a remé pour que autorité la liste, yo même, yo pas, je t'ai venu pour ta, et prend plaisir pour ta lagui, et monsieur Kaoli, et bien, comme ça, entendu, et y a un petit extrait, et de ton léger, et bien, l'élite commissaire juridiction, et Jacques Mel, côté que l'élite est tentative, il m'a été arrêté, monsieur Kaoli. En suivant. Voilà, en entendu, mesdames, messieurs, là, c'est sûr, c'était, nous déjà gagné pile info sur Joël Kaoli, mais là, on a ajouté de plus pour vous, parce que, pas oublier, je nous dis, il faut que nous mettions jusqu'à ce que, monsieur pour en prison, ok? Donc, entendez ça, et mesdames, messieurs, vous comprenez que Haïti, depuis que vous avez l'argent, depuis que vous avez couleur, c'est surtout ça, hein? Depuis pour, soi-disant, pas noir, ou capable de faire sauver. Dites comme ça, mais bagaille, vous n'êtes pas capable de comme ça. En autant de textes, ça, bien quoi, c'est Wilkie Toussaint qui t'a fait reportage ça, et mesdames, messieurs. 1995, Jean Anton Léger qui était commissaire gouvernement Jacques Mel. Le vieux un bon matin, qui m'a livré pour poursuivre la justice pour question drogue, Joël Kaoli, qui était green vote président Prival. Ah, mon cher, Jean Anton Léger était guetant pas de commissaire gouvernement longtemps. Journal Radio Haïti Inter, 1995. Commissaire gouvernement Jacques Mel posait la patte 19 sachets cocaïne. Quitté à bord bateau Altagas Marine qui s'est propriété M. Joël Kaoli. Sous l'ordre commissaire avec délégué sud-est-là M. Ronald Pierre, la police a arrêté 10 membres équipage bateau ensemble avec propriétaire à M. Joël Kaoli. 8 dans M. Sayo, gain nationalité étranger. Commissaire gouvernement Jacques Mella, M. Danton Léger précisé la justice après le fait travail dans Kassa sans parti pris. L'Ipat Kabayon chiffre exact. Mais mettre dans ton léger souligné 19 sachets cocaïne qui a coûté plusieurs milliers de dollars américains. 19 paquets de cocaïne et non seulement nous saisissons cocaïne, nous arrêtons près de 10 nègres tout qui étaient à bord de l'équipage pendant tout que nous possédons l'arrestation de propriétaire bateau qui c'est M. Joël Kaoli. Nous simplement arrêté tout nègre qui directement impliqué ou indirectement impliqué dans la question. Nous arrêté et nous prenons remplir les formalités que l'avons demandé pour nous remplir. Nous avons fait instruction et tout ça nous pour nous faire. C'est la justice qui est capable de connaître. Qui nègre qui est condamné, qui nègre qui pas de condamné, mais fait que nous arrêter tout nègre en bas côte et nous pas bailler liberté provisoire. Bon, nous pas spécialistes en la matière, mais c'est 19 paquets de cocaïne, des spécialistes qui ouais cocaïne, ouais c'est des bagages qui très fort, c'est des cocaïnes qui ont une certaine pureté, donc ça veut dire que c'est des bagages qui chèrent sérieusement, plusieurs milliers de dollars. Saisi doit que ça fait dans Jacques Mel, lundi 30 octobre passé à responsable de transporter 19 sachets cocaïne dans le local commissaire police nationale là dans Port-au-Prince. N'a souligné collaboration police nationale avec Minua pour te river faire arrestation ça dans Jacques Mel. Bon dit nous petite parole, en pile étude qui fait qu'on est depuis un pays gain la paix, l'instable business doit difficile pour le fait là dedans. Qui donc en chanter ça. La voilà, et mesdames, messieurs, voilà. Eh bien, c'est inquiétude ça que nous gagnons aujourd'hui là, hein. Pas oublier nous dire que justement, monsieur déjeuner arrestation 10, avec 19 sachets de cocaïne, hein. 19,
gros sachet de cocaïne, c'est pour un petit bagage qui petit. Et puis, nous avons regardé dans l'arrestation qui fait Jodia là. Nous avons regardé presque tous les médias, tout le monde qui a écrit, il a parlé que Joël Kaoli a été arrêté avec question d'armes, question munitions. Il a pas voulu prononcer question cocaïne que je viens là. Et nous-mêmes, nous campons derrière ça. C'est sérieux là. Donc, on est capable de rester sous même ligne qu'on comploie. Qui pour qui raison été relâché là? Et regardez, moi c'est fois nous t'as raconté ça. Qui influence qui monsieur t'a gagné comme ça? Qui fait relâcher là avec plus de 19